Salut les gens, alors nous sommes le dimanche 1er mai 2022 dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai toujours pas bougé depuis le début de la chaîne. Alors pour vous montrer un petit truc, et ben ça y est, c'est la sécheresse dans le Nord. Alors c'est un peu la thématique de la vidéo de cette semaine. Ça y est, ça fait quasiment un mois sans pluie dans le Pas-de-Calais. On attaque la cinquième semaine sans flotte. On a eu entre deux, une fois 4000 mètres, donc autant dire rien du tout. Et du coup, ça devient un peu catastrophique au jardin. Donc on va faire un petit tour de potager rapide. Je vais vous montrer un peu l'avancée des cultures et puis ce que ça donne au niveau arrosage au jardin, parce que c'est plutôt triste. Alors là, je vais vous montrer un truc vite fait. Alors aujourd'hui, j'ai ma caméraman, c'est dimanche. Du coup, c'est pratique. Il y a quelqu'un pour me filmer. Hop. Alors, pour vous montrer ma petite installation. Donc en fait, à la base, pour arroser mon jardin, parce que au jardin, j'évite depuis 2 ans d'utiliser de l'eau du robinet. Il y a 5-6 ans, j'ai arrosé mon jardin plutôt abondamment parce qu'il a fait fort sec. Ça m'a coûté très cher en eau, donc je suis parti du principe de dire j'arrose plus le jardin, si ce n'est avec de l'eau de pluie. Donc j'ai installé ces deux cuves de 1000 litres qui récupèrent l'eau de mon garage. Et puis donc avec un système de tuyaux PVC que j'ai bricolé moi-même, je joins les deux cuves ensemble. Donc je peux ouvrir et fermer indifféremment chacune des cuves. Cuve noire pour éviter que l'eau verdisse. Alors là, les deux sont totalement vides. Et puis donc une vanne commune ici pour les deux cuves. Et puis donc derrière, ça part directement au petit robinet que vous avez vu là où j'étais avec l'arrosoir. Et ce qui me permet uniquement par gravité, parce que là on est légèrement plus haut, j'ai surélevé avec deux parpaings. Ce qui permet d'avoir l'eau là-bas uniquement par gravité, sans pompe, sans système électrique. Là, ça y est, on est le 1er mai, comme je disais, les deux cuves sont vides. Alors c'est plutôt rare, parce qu'habituellement, on a toujours un peu de pluie fin avril, début mai. Généralement, une semaine, 15 jours après que j'ai repiqué mes oignons, mes échalotes, on a de la pluie. Et là, cette année, rien du tout. Donc c'est vraiment pas évident pour le jardin. Donc bon, comme les 2000 litres ne sont pas suffisantes, on ira peut-être faire voir vite fait après. J'ai sur mon abri où je range tout mon matériel motorisé, où j'ai aussi un salé de cuve, et il me reste à poser une gouttière pour dire de pouvoir récupérer l'eau de pluie. Et puis doubler ma quantité d'eau pour le jardin. Alors, tout le monde vite fait. Cette année, les récoltes devraient être belles. Là ici, on est sur nos groseilliers. Cassissier. Et puis alors, c'est pour ça que j'ai pris mon arrosoir, parce que j'ai planté un pied de kaki. Alors il est planté depuis 2 ans, et il a les têtes qui penchent tellement il fait sec. Et alors il est jaune, chlorosé. Ici on a une terre calcaire remplie de chlorose du haut calcaire. Et puis donc, quand j'avais taillé mon cassissier, j'ai coupé ça au montage lors d'une des vidéos du mois de janvier. Je vais couper deux boutures que j'avais simplement enfoncées sans m'embêter à travers la bâche. Et puis les boutures sont en train de redémarrer. Donc je mets un petit peu d'eau à travers la bâche, de manière à ce que ça garde un peu de fraîcheur. Avec les résidus de taille. Hop. Comme ça, voilà. L'idéal c'est de couper un endroit où il y a un entre-nœud, c'est là où ça va prendre racine plus facilement. Alors avec ça, on peut faire ça. Hop, on va faire deux boutures, essayons de ne pas se couper les doigts, bien sûr. Hop, donc côté avec la boursouflure qui racinera plus facilement. C'est la bonne saison pour faire la bouture de groseille et cassis. Hop. On enlève les bourgeons, puisque aux endroits des bourgeons, c'est là où ça va raciner. Et on laisse les bourgeons uniquement sur la partie haute. Et
Idem de ce côté-là, on n'a pas trop de bourgeons. Vous voyez, là, il y a une blessure, c'est pareil. La blessure, c'est le genre d'endroit où ça s'enracinera un peu plus facilement. Donc, on a nos deux boutures. À la limite, après, la seule chose à faire, on va faire ça à l'arrache, on verra bien ce que ça donne. Hop, première. Et deuxième. Alors, résultat, sera peut-être pas au rendez-vous. Parce que l'idéal aurait été de creuser. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Hop. Allez, on est reparti. Alors, du coup, là, la deuxième partie, partie champ. Alors, bon, bah, malgré la sécheresse et le manque d'eau, on a quand même nos carottes, n'importe quoi. Nos pommes de terre qui démarrent. On voit les lignes sortir. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 routes que j'avais mis en premier sont bien sorties. Et les 5 restantes, pour l'instant ça bouge pas. Alors oignons et échalotes, c'est pareil. Maintenant, elles sont toutes bien sorties malgré le manque de pluie. Mais bon, on se rend quand même compte que c'est plutôt dur à démarrer. Habituellement, à cette époque-ci, après une pluie, elles ont doublé de taille, donc bon, ça devrait être un petit peu plus beau. Alors, dans les principes, pour dire d'économiser l'eau au jardin, il y a le traditionnel un binage vaut deux arrosages. Donc, comme je disais, ici, la partie champ n'est jamais arrosée, donc je n'arrose pas les patates, je n'arrose pas les oignons. Du coup, pour éviter, on va dire, un maximum à ce que ça sèche trop, là, je vais, cette semaine, commencer à passer dedans, passer un petit coup de... Un petit coup de rasette partout, et donc ce petit coup de rasette casse un peu la croûte en surface. Ça enlève aussi les adventices, parce que les adventices font forcément concurrence aux plantes installées. Et donc en faisant ça, on garde la fraîcheur uniquement pour les oignons et les échalotes. Donc bah là, il y a, avec nos 6 kilos qui ont été plantés, il y a un peu de temps à passer, il y a une heure environ pour tout faire. Et vous voyez, une fois que tout ça se sera fait, toutes les petites plantules, là, les petites plantules de kénopodes, une fois qu'elles seront allées à l'air comme ça pendant 10 minutes, tout sera grillé. Bon, alors, en fait, dans la réalité, je prends du bout et je vais beaucoup plus vite que ça. Hein. C'est parce que pour la vidéo, je fais juste un petit bout, mais... Alors en plus, l'intérêt de biner comme ça, et ben j'en profite pour remonter mes buts à chaque fois. Hop, à chaque fois entre chaque. Donc le désherbage, généralement c'est une corvée pour beaucoup de monde. Mais moi, ça peut pas être bête, c'est un petit plaisir. J'aime bien ça parce que je trouve que... Alors on peut peut-être avoir le vent comme je change de sens. Pendant ce temps-là, on pense à rien. Ça va relativement vite. Puis bon, quand c'est fait comme ça, on gagne vraiment du temps. Donc voilà un peu une technique pour économiser un peu d'eau et un peu d'arrosage au potager. Allez, on coupe et puis on va voir notre partie de jardin. Bon alors, un des petits avantages quand même de la sécheresse, c'est que cette année, on devrait manger des abricots, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il y en a qui aiment bien les abricots, dans les enfants. Donc ouais, bon, cette année, effectivement, la sécheresse, alors même si il est quand même atteint par la moniliose qui entraîne un dévérissement des rameaux, on devrait avoir une centaine d'abricots sur le pied cette année. Donc vraiment une variété spécifique, hein. La seule qui pour moi donne à peu près régulièrement dans la région. La variété rouge tardif, c'est une sélection de chez Delbar. Pour moi, si vous voulez manger des abricots, il n'y a que cette variété-là à planter. Allez, on va avancer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne.
Donc ben, nos fraisiers, ils sont en fleurs, mais bien qu'ils soient en fleurs, si on regarde de plus près, c'est en train de sécher. Alors pour l'instant, j'ai rien arrosé. Là par contre, on est dans la limite de l'acceptable pour le jardin. Sans arrosage, si ça continue, tout va mourir. Les choux, c'est la même chose. Alors si tu arrives à zoomer sur celui-là, ma Lulu. Alors les choux, le problème là, c'est pas le même. Donc le manque d'eau, et ben les oiseaux se régalent de la verdure pour eux s'abreuver. Ils se régalent vraiment avec les feuilles vertes de choux qui sont pleines d'eau. Alors là, on voit quand même que malgré la sécheresse, les carottes qui ont été semées il y a 3 semaines sont bien sorties. Je sais pas si on voit les lignes sur la vidéo. Une, deux, trois lignes. Donc les 3 lignes, elles sont bien sorties. Par contre, là, ici à côté, pourtant j'avais semé hyper dru. Les petits pois, il n'y a pas eu d'humidité. C'est une catastrophe, quoi. On n'a rien du tout. Et là, le deuxième semis de carottes, qui était semé une semaine plus tard, bon, il est un peu plus, c'est un peu plus dur pour lui, mais bon, ça a quand même levé à peu près. Alors, on va faire demi-tour. Hop. Alors, gingembre. Nos salades, pareil, pas arrosées depuis qu'elles ont été repiquées. Les batavia, c'est tristouné, ça souffre. Et la bonne aux laitues, c'est la même chose. Là, ici, on est aussi envahi de... Enfin, envahi. Non, on n'est pas envahi. Alors, j'ai beau arbiner, mais il y a quand même des choses qui repoussent. On voit hein, les brocolis entre mangés par les oiseaux et puis ben, les feuilles flétries par le manque d'eau, c'est assez compliqué. Notre persil, pareil. Donc, persil, j'avais repiqué, il a reverdi, mais... beaucoup beaucoup de mal à démarrer. Le manque d'eau se fait aussi sentir à ce niveau là alors à droite nos asperges, il n'y a pas de souci, ça pousse. Et puis les poireaux, donc là les poireaux, ils ont arrosé une seule fois mercredi quand je les ai repiqués. Donc les premiers poireaux précoces, j'ai repiqué 80 poireaux à peu près. Mais là c'est pareil, si j'arrose pas, ils passeront l'arme à gauche. Alors, ça, on n'en parle pas, on verra plus tard. Alors, qui est-ce qui était mettre tout ça là? Ah bah c'est moi. Merci. Alors, une petite aparté. Alors, ça n'a rien à voir avec les vidéos de potager, hein, c'est totalement, c'est vraiment, vraiment rien à voir. Et en fait, c'est juste pour faire un petit lien avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Ça peut paraître idiot, alors vous allez me dire quel est le rapport entre le potager et l'Ukraine. Et bien juste vous montrer. Cent ans après, ce qu'on retrouve encore dans le jardin. Donc la guerre, c'est vraiment une grosse connerie, c'est vraiment une horreur pas possible. C'est quoi? Et ça, ce que c'est, et ben, c'est des morts, c'est des éclats d'obus. D'accord. Des éclats d'obus, en fait, c'est exactement quoi? C'est des obus. Bah, c'est quand les gens ils font la guerre entre eux, ma petite Lulu, ils s'envoient des obus pour se tuer. Donc là, ici, on était sur la ligne de front. Hein, le front, on est en plein dedans, hein, les tranchées et compagnie. On était vraiment... la ligne de front est à 500 mètres à peu près à vol d'oiseau d'ici. Donc le village où j'habite à l'heure actuelle était rasé à 100% pendant la première guerre. Et tous les ans, sans mentir, hein, dès que là, c'est juste en travaillant cette bande-là, je peux ramasser entre 5 et 6 kilos de ferraille tous les ans en faisant le potager, quoi. Donc juste une petite aparté pour dire que la guerre, c'est vraiment une connerie sans nom. Ça devrait pas avoir lieu d'être. Bon, enfin bref. Allez, juste là derrière, pour vous montrer, on a les petites asperges qui commencent, la plantation d'asperges qui commence à sortir. Alors pareil, ça souffre du manque d'eau, donc c'est pas top moumoute. Pas vu. Alors, ici, même chose. Plantation de fraisiers de cette année. Bah, avec la sécheresse, sans eau, ça crame.
Bon, je pense que ces pieds-là, cette année, on ne récoltera rien. Mais bon. À gauche, nos fèves, qui sont en pleine floraison. Mais bon, en termes de feuillage, c'est la même chose. On a vraiment pas grand-chose. Et puis, oh, bah, nos restants de radis, pareil, pas arrosés. Alors, ils sont plutôt beaux, les radis. Bon, celui-là est moche. On a plutôt des beaux radis dans l'ensemble. Mais alors, il faut avoir le... Beau les radis, mais il faut avoir le palais bien accroché parce que ça pique, ça pique. Alors là, ici, j'ai arrosé juste un petit peu. C'est les prochaines laitues parce que là, on a un creux. Cette semaine, il n'y a plus rien en laitue. Ça, c'est les prochaines laitues qui vont arriver. Elles commencent à paumer, donc on va pas en manger en milieu de semaine. Et puis donc les suivantes, celles que j'ai repiquées et qui n'ont pas été arrosées, après avoir bien bien souffert, là, ça y est, elles démarrent enfin. Allez, c'est parti pour l'arrosage de la serre. Alors là, en ce moment, la serre, ça demande pas mal d'eau. Donc tout ce qui est pot, semis et compagnie. Donc là, c'est mes Smith salades que j'ai gardées, parce que vous voyez, ça fait des petits cœurs. Donc là, on se régale des petits cœurs. Donc les poireaux, j'en ai repiqué la moitié, je vous ai montré dans le jardin. La petite vigne, elle redémarre malgré un petit coup de gel. Alors là, il faut arroser quasiment tous les jours, c'est des Smith blettes. Mon poire melon, le pépino, qui est bien parti. Voilà. Alors dans la serre, en moyenne, à cette époque-ci, j'en suis à peu près à 2 arrosoirs et 3 seaux. Donc ça fait 5 fois 20 litres, 100 litres d'eau à peu près tous les 2 jours. Donc bah là, malheureusement, j'ai pas le choix. Il faut bien que je tire de l'eau du robinet. Pour dire de... On est à contre-jour, c'est vrai? Ouais. Ah, mince. Tu veux qu'on fasse dans l'autre sens? Allez, on fait demi-tour. Mais pause. C'est mieux, caméraman? Ouais, bon, impeccable. Bah, du coup, j'avance, tu recules, tu feras attention de ne pas tomber. Vous montrer un peu dans la serre. Donc, bon, avec l'arrosage et la chaleur, tout de suite, ça change. J'ai fait dimanche dernier mes premières plantations dans la serre. Donc, je fais un pied sur deux. Hein. Je ne remplis pas trop la serre parce que l'essentiel des tomates va en extérieur. Donc, là, j'ai mis mes pieds greffés de tomates. Pardon. Là, ici, pieds greffés. Là, ici, vous avez le melon. Un beau pied de melon, donc il est bien parti. Encore un petit pied de tomate greffé. Greffé ou pas greffé? Ouais, greffé. Et pas greffé. C'est quoi la différence entre greffé et pas greffé? Alors le pied de tomate greffé, il est greffé sur un porte-greffe résistant. Il permet au pied de tomate d'être plus résistant aux maladies, généralement de mieux assimiler l'eau, les éléments minéraux, donc on a des pieds qui sont plus gros. Et puis bah, derrière, c'est ce qui entraîne une récolte de tomates plus importante. Donc grosso modo, il y a un rapport de 1 à 2 entre les tomates greffées et les non greffées. Donc c'est gros intérêt du greffage. C'est comme pour les melons, c'est la même chose, c'est que du greffé. Deuxième pied de non greffé qui démarre bien. À droite, les choux, ça se termine. On a fini le deuxième parc de salade. Concombre qui démarre. Allez, on recule un petit peu, hein, lui, sans tomber. Alors, aubergine, qui redémarre pas mal. Les choux rouges, qui... Alors, mercredi, il va falloir que je me dépêche, parce qu'il est plus que l'heure de les planter. Et puis, sur ta droite, dans le meuble, alors, est-ce que tu peux montrer? On a nos petites physalis qui bougent léger. Les poivrons qui partent tranquillement, ils ont un peu de mal. Là, en dessous, notre maïs. De ce sens-là, comme ça, pour moi l'arroser après, ça ira mieux. Donc maïs doux, et puis là, pastèque et pastèque. Donc ça, c'est la pastèque non greffée, on mettra en serre, on verra un peu ce que ça donne. Et puis donc là en dessous, les céleris qu'on a repiqués dimanche dernier, qui démarrent pas mal. Bon, entre ceux en gros godet, ceux en millimote, je vois pas une grosse différence. Bon, si déjà je repique tout ça dans le jardin, il y aura de quoi faire. Alors là, il va falloir que je cueille le petit cœur, là, parce que le pied de pastèque greffé, il est un peu envahi par la salade.
Donc ça, on va voir ça. Et puis, alors ici, en haut à droite. Alors petit à petit, je rempote. Je passe de godet carré. Je passe mes cucurbitacées en pot de 10,5. Comme ça, ils vont pouvoir tenir, allez, on va dire 8-10 jours. Et puis, aux alentours du... La semaine prochaine, dimanche prochain, on est le 8 mai. 8... allez, le mercredi, on sera le 11, c'est ça, ou le 12 de tête. Je pourrais repiquer toutes les cucurbitacées en pleine terre, là-bas, dans la partie champ. Donc, vous voyez. Alors, ça, c'est quoi? La butternut. Donc, butternut. Eh ben, mercredi, ils passeront en pot de 10,5. Ça évitera que, vous voyez, ça commence à jaunir un peu en godet, surtout que c'est du terreau semi-bouturage. C'est pas le top. Donc, au moins... Ils pousseront un peu plus. Ah, la petite capucine commence à sortir. Je n'ai pas vu. Elle est sortie dans la journée, celle-là. Donc, en fait, dans la serre, je me casse pas trop la tête. Je fais un pied sur deux. Donc, un pied de tomate, 80 cm plus loin, soit un concombre, soit un melon, soit une pastèque. Là-bas, un pied de poivron que j'ai acheté pour dire d'en avoir un précoce parce que mes semis, je les ai fait trop tardivement, comme tous les ans. Donc c'est pas gégène. Allez, on finit derrière la petite Lulu. Alors, là ici, regardez-moi. Ça, attention, t'es prête? Un petit zoom, hein. De toute façon, je suis fier. Hop, et voilà. Des beaux navets de printemps. Voilà, si on voit par rapport à la taille de ma main. Donc ils sont quand même... Après, t'as des grandes mains. Ouais, j'ai des grandes mains, mais ils commencent à être pas mal. Donc on a déjà mangé un peu, là, cette semaine, on a refait une petite soupe. Et puis là, les betteraves rouges qui redémarrent tranquillement, mais pareil, elles manquent un peu d'eau. Nos pois à gauche sont en pleine fleur. Pareil, il faut que je les arrose, vous voyez, on voit, ça sèche un peu. Donc ça a dû manquer d'eau à un moment ou à un autre. Donc on va arroser ça. Et puis sur la droite, bah, toutes les tomates qui sont prêtes à être repiquées en pleine terre le moment venu. Donc là, ils ont été rempotés il y a 10 jours, ceux-là. Allez, on va faire un petit clin d'œil. Tiens, si je peux zoomer sur moi, Lulu. On va faire un petit clin d'œil, un petit coucou à Jaco et Lily, nos camarades du 62, là-bas tout en haut à Boulogne. Un peu par rapport à ce qui a pu leur arriver, on va dire entre guillemets, dernièrement. Moi, à votre place, je ne me prendrai pas la tête pour des gens qui ne le méritent pas. Continuez ce que vous faites, franchement, c'est super. Faut pour écouter les gens, faites ce qui vous plaît. Et puis, ce qui nous anime, de toute façon, c'est la passion. Donc, il n'y a que la passion qui compte. Le reste, faut pas y prêter attention. Alors, petit clin d'œil à Jaco. L'année prochaine, j'essaierai d'avoir d'aussi belles tomates que toi. Mais bon, quand je m'y prends un peu plus tard. Hop. Donc, rempoté il y a 10 jours maintenant. Pas dimanche dernier, mais dimanche d'avant. Donc, c'est bien raciné. Ça reverdit. Et puis donc, j'ai suivi ton conseil, Jaco. Alors, je le faisais déjà un peu avant, mais pas tout le temps. Comme elle commençait un peu à avoir faim, je les ai rempotées dans un terreau dans lequel j'avais rajouté une poignée d'engrais... d'engrais organique, et puis là je les ai posés à plat sur le sol, comme ça au moins ils s'enracinent un peu dans le sol, et puis on a vraiment du super plan, alors bien fort, avec une tige bien épaisse, tout comme il faut. Là ma petite Lulu, hop, une belle petite courgette qui démarre, que j'ai repiqué aussi. Alors les patates, elles ont soif, elles sont moches comme tout. Nos oignons, c'est la fin, ils montent à graines. Bon, on peut encore manger si on veut un petit verre. Par contre, là, je vous la ferai pas comme la fois dernière parce que j'ai fait le test il y a 2 jours. Bonjour, la laine de poney. Après avoir croqué un bout d'oignon, ça arrache. Et puis là en dessous, pareil, encore le restant de tomates. Alors celles-là, elles sont un peu à l'ombre, elles ont un peu plus filé. C'est quand même mieux quand on est plus à la lumière. Celles-là, pareil. Et puis bah, toutes les séries de poros qui vont suivre. Et là, ici... nos oignons simiane. Voilà. Alors je pense que la vidéo va être assez longue. Je pense qu'on a dû passer la bonne vingtaine de minutes. Mince. Comme un bébête. Non, pas comme un bébête. Non, on dit un babache. Comme un babache. Je touche mon micro, donc ça va faire un gros sur la vidéo. Rigole pas, c'est vrai, il m'a dit lui.
Du coup, je vais faire le fil de ce que je voulais dire, comme je dis des bêtises. La vidéo va durer longtemps, et on a 23 minutes, du coup. 23 minutes, bah, ouais. C'est bien, impeccable. Et donc, bah, fin de cette petite vidéo. Bon, l'arrosage, on espère quand même qu'on ait une bonne pluie dans les jours qui viennent, mais au vu de la météo, ce qu'ils annoncent, pour moi, on a encore moins 10 à 15 jours sans flotte. Donc, ça va être un peu tendu. Bon, la serre, de toute façon, il faut arroser, ça ne change rien. Partie champ, on est sur des cultures qui tiennent à la sécheresse, le rendement sera peut-être un peu inférieur, mais la patate, c'est surtout au moment de la floraison et de la tubérisation que ça a besoin d'eau, donc là, c'est moins gênant, au contraire. Ça permet à la plante d'aller chercher l'eau en profondeur. Alors, la chose que j'ai oublié de dire aussi concernant l'arrosage, c'est que pourquoi j'arrose pas en extérieur? Alors déjà parce que j'ai de la surface, donc ça coûte vite cher en eau. Je préfère réserver l'eau aux plantes qui le nécessitent, donc ici, surtout dans la serre. Oui, j'ai ma fille qui me fait ça. Il faut fixer la caméra. Oui, madame, je fixe la caméra. Du coup, tu m'as encore fait perdre le fil. J'ai des grandes surfaces, donc c'est compliqué de tout arroser. Bon, par contre, là, on arrive à la limite, comme je vous ai montré avant, donc on va les mettre ensemble l'arrosage pour clore la vidéo. Et puis surtout aussi, donc une des choses pour lesquelles j'évite d'arroser en extérieur, c'est que le fait d'arroser, on favorise un enracinement superficiel de la plante. C'est-à-dire que comme on arrose en surface, généralement on arrose assez peu, donc on a une plante qui va s'enraciner sur les 10 premiers centimètres. Alors que si on la laisse faire, au contraire, même si elle souffre, un peu comme mes choux, donc là mes choux ils souffrent, hein, depuis 3-4 semaines qu'ils sont plantés en pleine terre, ils n'ont quasiment pas bougé. Si ils avaient arrosé, ils feraient 3 fois cette taille-là, et limite, peut-être, on pourrait commencer à manger, puisque le chou précoce va très très vite. Par contre, là, ils s'enracinent en profondeur, et ce qui veut dire qu'à la première pluie, ils vont exploser, et en très peu de temps, ils rattraperont, alors pas la totalité, mais une bonne partie du temps perdu. Et au moins, si derrière, on a d'autres périodes de sécheresse, et ben, le fait que la plante soit enracinée en profondeur, elle résistera encore mieux au manque d'eau. Voilà, pour clore ce petit sujet sur l'eau et la sécheresse au jardin. On fait une petite pause, on ressort de la serre et on est parti. Alors, j'ai un copain plutôt qui m'a donné un petit rain train. Alors, c'est un petit système d'arrosage qui fonctionne uniquement avec la pression de l'eau. Alors, c'est un système tout con, les roues crantées font avancer le chariot. Avec la pression de l'eau, ça tourne et ça arrose partout. On peut régler ici la vitesse d'avancement, donc il y a 3 vitesses d'avancement, 1, 2, 3. Donc, bon, je vais le mettre sur la 2, on va bien voir ce que ça donne. Avec la pression de l'eau, on a ça donc qui tourne et qui répartit l'eau sur un secteur plutôt large. Donc, on va voir ce que ça donne, on va mettre ça, au pire à côté ça sera frais, mais ça permettra que je puisse, semer et repiquer mercredi. Et puis donc à l'avant, je ne sais pas si tu arrives à filmer Lulu sur le côté, à l'avant on a une roue crantée qu'on vient poser sur le tuyau. Et en fait, grâce à cette petite roue qui est directrice, le petit chariot suit le tuyau et avance. Donc il avance en suivant le tuyau. On peut lui faire faire des cercles, des ronds, ce qu'on veut. Il va suivre le tuyau. Donc c'est le tuyau qui lui indique où aller. Si j'étais toi, Lulu, je me mettrais sur le côté. Je te laisse filmer le truc. Et voir, tu vas nous allumer l'eau, Mimi ? Allez, c'est parti. Moi, je fais le tour. Ah, je crois que ça mouille. Je veux pas bouger. T'as ouvert à fond, Mimi ? Ouais. C'est bon ? Attends, allez, bouger. C'est parti. Bon, alors, ça arrose large. Mais on va le faire qu'une seule fois. Logiquement, il devrait tourner pendant... Alors, je ne l'ai pas mis à fond en arrière, parce que ça ne sert à rien d'arroser tout chez le voisin. Ça devrait arroser, je pense, pendant une bonne heure. Une heure, deux heures. Ouais. Alors, comme c'est l'eau du robinet, on va éviter. Ça coûte cher. Voilà. Allez, je vous laisse sur ces images. Moi, je vous dis à la prochaine. Il y a d'autres vidéos à terminer qui sont en cours. Donc à finir de filmer et puis derrière monter.
En espérant pouvoir en ressortir une, je pense en milieu de semaine jeudi, et puis mercredi pouvoir filmer la vidéo sur que faire au mois de mai, que faire au mois de mai 2022 dans le Nord. Voilà. Allez, Mimi, comme t'es là du coup. Tchuss les gens. Tchuss les gens. À plus.